Jean ça t'a déjà annoncé dans le jour passé, yo, choix ministre fait, gouvernement monté, arrêté publié, installation faite, travail a pral commencé. Mercredi 12 juin 2024 là, tout le monde t'est installé, yo, tout le monde t'est chita derrière écran, yo, partisans, sympathisants, yo tout t'est là, yo tout tap assisté, yo tout t'est répondre présent dans villa d'accueil pour assister à cérémonie d'installation nouveau gouvernement haïtien. Tout le monde conseil présidentiel yo était présent et tout ministre yo était là pour te recevoir lettre ampliation yo, mais tout pour te donner des discours premier ministre là, tant des discours président conseil présidentiel là n'a parlé de Edgar Leblanc fils. Mesdames, messieurs, c'était une cérémonie qui était un pilier de politique là-dedans, même avec installation conseil présidentiel là, nous tout nous songeait ça. Comment ça te y est? Et dans l'émission ça, vous avez une possibilité en image pour assister comment ça te y est? C'était gros cause, oui. 12, on dit 12 juin ça, il était doué, marqué également par des cérémonies ou encore par des festivités pour commémorer 29e anniversaire institution policière là. Mais, mesdames, messieurs, on dit l'arrivée c'est vrai, mais il n'y a pas arrivé procéder avec cérémonie ça. En façon selon ça qui était annoncé par on dit la direction générale de la PNH pour être capable de porter solidarité yo à policiers qui étaient mouri dimanche 9 juin 2024 là. Mais quand même 12 juin yo li fait la police la PNH 29 ans depuis yo existé, 29 ans depuis y a bay service yo, 29 ans depuis y a bravé danger dans la République, 29 ans également depuis, il a fait face à des défis. Et 29 ans, depuis un paquet de pays qui dit aux ses amis Haïti, ils ont dit qu'ils ont renforcé la PNH, ils ont dit qu'ils ont fait backup, ils ont dit qu'ils ont investi 2 millions. Jusqu'à présent, nous-mêmes, ensemble avec vous, nous ne pouvons pas résultat qui baille là. Pour qui résultat? Après toute année, ça y est, toute année de coopération, Canada dit le backup, les États-Unis dit le backup, Taïwan dit le backup, un paquet de pays, ils ont dit qu'ils ont la PNH bourrade, mais nous-mêmes, ensemble avec vous, nous toujours, c'est une institution qui corporatise chaque jour. Où sont passés les résultats? Zéro. Et c'est pas de bonne volonté. C'est pas de bonne volonté des agents, des vaillants policiers, je dis là, nous-mêmes, ensemble avec vous, nous ne connaissons pas dans qui est à Haïti tapier. Parce que nèg yo goumen en pile. Oh, nèg yo pose en pile action, mesdames, messieurs. Yo te capable fini ensemble avec institution ça. Mardi 11 juin 2024, là, premier ministre Gary Conille, il était rencontré ensemble avec ambassadeur américain en Haïti. N'a parlé de Denis Hankins. Rencontre yo te projeté surtout sous sécurité, sous la bonne gouvernance. Comment pays à lui-même, il t'a dû diriger. Nan jou kap vin la yo, en pile cause parler, mesdames, messieurs, nous rencontre ça. Et nous prenons retourner dans l'installation pour nous dire, dans le discours, qu'en pile promesse qui fait. Restez là, mesdames, messieurs, nous prenons le bon détail, nous prenons dire exactement comment ça te y est. Environ 13 moun perdu la vie yo nan Delma 24. Rete, sa Delma 24 gagne, la manje moun kon sa. Gon groupe de moun ki sorti solino, accompagné de yon blende, yo di yo prale nan Delma, yo prale déchouke bandi. Se bandi yo ki déchouke yo. Parce que il y a environ 13 moun qui tombé en babal parce que bandi ont été en embuscade pour moun sa yo qui t'a vini. Vous avez été annoncé, vous avez connu moun sa yo a vini. Bon quoi vous comprendre mesdames messieurs, c'est parce que même action Marco a un bon moun bouteille nan meyo, watch nan meyo, bâton nan meyo, yo va le faire face avec un série de bandi qui ont même des Kalachnikov qui M4 M60 nan meyo. Est-ce que tête nous droite? Mes amis, comment nous yèm kote entre la caillou? Nous savons gros plaisir d'entre la caillou. Ses amis, ou frère, Esdras Fizeme qui entre la caillou. Bon la journée, tout le monde nous espère. Gros bon mouen, et ou te enjoy ou. Ensemble avec émission déjà que nous te annoncé ou bien que nous te pote ba ou. Et kounya la, nous yivez dans moitié journée. Et certainement, mesdames, messieurs, ou gen possibilité pour pral déguster ensemble avec nous. Repas ça que nous prépare pour vous. Est-ce que vous abonnez déjà? Si vous êtes même kaila, bravo pour vous. Mais ou même qui a peine vini nous inviter ou kounya la même. Activez cloche notification, pas faire erreur ça. Automatiquement tomber là youn nan bagay pou faire. C'est activer cloche notification. C'est ça qui permet toujours être connecté pour pas rater aucune nan émission nou yo, aucune nan vidéo nou depuis le tomber. Ou pour recevoir notify là qui dit exactement Esdras Fizeme lagé. Ou faire ça déjà, moi invite au kounya la, mais on met pause vidéo à souvle. Comprenez moi, abonnez, activez cloche notification et puis gardez nous. Quitte ton like, quitte ton commentaire et puis partage très important. Fais un autre zami, un zami dans WhatsApp, un zami dans Facebook, un zami dans Messenger. Partage ensemble avec les dit tonton. Parce que quand pile moun
qui dit bien qu'on ça oui, yo font l'autre monde tendez. Yo dit mes amis, tendons ici qui a parlé. Restez connectés ensemble avec nous mesdames messieurs, petit chaise bon, restez puis près dans là. Fais me sentir ensemble avec moi, main tête moi, passer main dans tête moi pour faire me sentir ou près ou pas loin. Restez connectés ensemble avec nous, pas déplacer mesdames messieurs, n'a retourner dans un badji. Nous retournons après pause là, merci pour fidélité, merci pour patience, parce que vous toujours été connecté ensemble avec nous, et merci, parce que faites-nous confiance pour nous informer, ou. Et en retour, mesdames, messieurs, ou pas déçu, parce que nous prenons engagement pour nous porter baou de très bonnes informations. Restez là, ou la caillou, pas occuper moun kap dou aller à gauche, aller à droite, de pour là, et la caillou, yez en mime, ouvert quoi, ou calé quoi, ou, et met toute information, yo. Je sais te annoncer dans le jour passé, yo. Et il y a pile monde qui était sous tension, il y a pile monde qui était sous suspense qui t'a demandé est-ce que le gouvernement ça privé installé pour tractation qu'a fait pour monde qui campait en quoi contre installation gouvernement ça. Eh ben en bagé yo contre toute attente mesdames messieurs, en bagé toute hypocrite yo gouvernement ça privé installé. Pas oublier nous toujours dire le n'a parlé comme ça puis qu'on mettait dans tête sous chèque en blanc nous bail Gary Koni négatif. Et pas Gary Koni qui t'a joué de un chèque en blanc dans main nous. Nouveau gouvernement, pas maintenant tête ou comme si, tout seul pour le faire, nous allons battre bravo pour lui. Nous allons rester ça nous-mêmes, grâce à Dieu. Ok? Si on m'a des fouettes, nous fouettez. Si on m'a des bons coups de rigoise, nous allons faire un bel coup de rigoise pour nous sentir. Mais nous dit, gouvernement ça, c'est un gouvernement, mesdames, messieurs, qui besoin de support pour les Haïtiens. Il a besoin de backup pour les Haïtiens, de manière à ce que vous soyez capable de atterrir avec le projet que vous avez gagné. Installation qui est faite correctement, mesdames, messieurs. Une installation qui, malgré on dit toute critique, mais installation qui est faite côté que, officiellement, le pays a gagné un nouveau gouvernement. On dit, chantier a commencé. Gary Koni qui pas montré que c'est un chef bureau, qui pas montré que c'est un chef comme si il pouvait caler quoi, faire poster, etc. Monsieur, il était bail le ton parce que monsieur montrait, il rentrait dans le pays en samedi et en dimanche, monsieur était en grand chantier. Et me garantis ou, tout ministre qui là, yo, yo pral obligé pour forme Gary Koni. Yo pral obligé marcher exactement selon les prescrits, selon le comportement de Gary Koni. Gen moun la pa travay ou pa ka travay nou. Mais aujourd'hui, supérieur hiérarchique kap kale wes. Yo même tout, yo obligé kale wes. Et me garantis nous, moun sa yo monte là, yo pral le travail. Parce que yo pral gen batou nan ou yo. Yo pral le travail. Yo pral gen obligation pour yo travail. M'a pas en pile. M'a bon possibilité, mesdames, messieurs, pour assister en image, comment ça te yé dans villa d'accueil. Ok? Comment cérémonie d'installation, nouveau gouvernement te yé. Tout ça que dit, discours Gary Koni, discours Edgar Leblanc, moi invite au suivre. Ensemble avec moi, mesdames, messieurs, comment ça te met? Qui te nous dit où? Faut nous faire remarquer ça. L'État, il sait comme si son, m'a connu comme si son contrat même nous prend pour une cocorate. L'op gade, ou pral voir ça dans le commencement, vidéo que vous pral gade là. Mes amis, on dit installation gouvernement fait. Et puis pour l'État, il y a un problème son en niveau ça. Gade! Même n'importe quelle organisation, ou bien n'importe l'autre entité, Digicel, Soje Bank, BNC, le yon a fait une conférence de presse, ou bien n'importe conférence, n'importe formation, yon a fait. C'est quoi qu'on paye, oui. C'est quoi qu'on paye, son yon, yon prend. Mais là, on a regardé pour web au diable, c'est Jules des Augustes, qui a pris un micro pour PM, non tellement, micro pas fonctionner, etc. Elle dit, nous pas divorcer avec la cocoratisation. Mais vite, on suivre. En image, mesdames, messieurs, comment ça te yé dans villa d'accueil, mercredi 12 juin 2024, là, côté, nous t'avons assisté à la cérémonie d'investiture du nouveau gouvernement haïtien, côté, nous pral, mesdames, messieurs, des possibilités pour que le pays aille même. Il y a l'autre gouvernement pour payer pays aille même, il va commencer à travailler parce que y a des gens qui ont crié, des gens qui ont souffert, des gens qui ont un grand danger, des gens qui ont une grande difficulté, côté, ma parole, voilà. Chantier a dû commencer. En suivre, en image, mesdames, messieurs, comment ça t'est dans la villa d'accueil.
une candidature pour poste premier ministre. Face à mon père, je vais porter. Nous mettons quoi, moi pas faire une honte. Faut que moi dis tout, yo gros merci à conseil présidentiel qui t'a accepté tendez ça me porter dans jacout moi et puis choisi dans mitan quatre autres compatriotes qui gagne en pile qualité et mérite tout. Compatriotes haïtiens moi yo nous pas devoir cacher maladie pays a maladie nous. Faut que nous reconnaître li pas porter le bien même. Nous faisons qu'on nous cherche remède pour lui. Dans l'état hier, faut que nous cherchions plus bon médecin feuille et plus bon médecin moderne pour nous sauver. Mais bonne connaissance, ça pas suffit. Faut que nous bon tout dans volonté nous et faut que nous bon tout dans honnêteté nous. C'est vrai, depuis le créé, le pays a toujours un bouleversement politique. Il y a toujours un plus fort monde dans la population. Il y a mis dehors, même le dans le pays. Le groupe qui a souffert, généralement, c'est les paysans. Il y a toujours un problème social. Mais je ne le dis pas, après plus de 200 ans, la société nous a gagné net. Moun pa vivre dans la paix. Moun pa ka circuler libre. Si moun pa ka à l'école. Machan pa ka vendre produit pour prendre soin famille. Bandi a marcher touyer moun l'œil ouvlé, Jean ouvlé. Ça fait moun pa ka vivre dans pays a. Seul l'espoir jeune nous, c'est quitter pays a pour partir. Même le qu'on est l'autre bord pas douce, pays étranger pas paradis, yo di ou y a qu'à jeune travail et puis vivre tranquille, qu'on s'appétit yo a bien plus chance pour monter dans l'échelle sociale là. Moi comprendre et moi entendre, c'est pour ça moi là avec nous jodi a. Mes chers compatriotes, aujourd'hui c'est avec une profonde humilité et une grande responsabilité que je me tiens devant vous en tant que le nouveau Premier ministre de la République d'Haïti. En ce moment crucial de notre histoire de peuple, alors que nous traversons une crise sanitaire, humanitaire et de gouvernance sans précédent, je ressens le poids de la tâche. En cette heure solennelle d'intenses émotions et de dépassement, je tiens à saluer le sens hautement patriotique du Conseil présidentiel. Ils ont transcendé les clivages et les sensibilités politiques, ainsi que les intérêts partisans, pour m'accorder leur confiance sur des questions vitales qui tiennent tant à cœur la nation souffrante et impatiente. Je tiens aussi à remercier le Premier ministre sortant, M. Patrick Boisvert. Traversant avec un courage exceptionnel l'épouvante solitude de la primature, il a dominé le jeu politicien et la rumeur des fractions pour poser son empreinte. Celle d'un homme d'État serein et sensible vaut au service d'autrui à la République. C'est avec le sentiment du devoir magistralement accompli au bénéfice des populations haïtiennes qu'il rentre aujourd'hui sur la tente pour un repos bien mérité. Mes chers compatriotes, Haïti est confronté à des défis majeurs. Les violences et l'insécurité paralysent notre quotidien. Les crises humanitaires exacerbent les souffrances de nos compatriotes les plus vulnérables. Et l'instabilité politique sape les fondations mêmes de notre société. En reconnaissant ces réalités douloureuses, nous devons trouver en nous la force et la détermination nécessaires pour les surmonter. Comme le disait le philosophe grec Héraclite, le caractère de l'homme est son destin. Nous devons faire preuve de courage et de détermination, car c'est dans ces moments de crise que se révèle le véritable caractère d'une nation. Je crois fermement qu'ensemble,
Nous pouvons transformer ces défis en opportunités pour rebâtir notre pays sur des bases plus solides et plus justes. Je m'engage donc devant vous, chers concitoyens, à servir notre nation avec intégrité, transparence et dévouement. Mon gouvernement travaillera sans relâche pour améliorer les conditions de vie de chaque Haïtien et de chaque Haïtienne, pour bâtir un avenir plus sûr et plus prospère, et pour rétablir la dignité de notre peuple. Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, par l'entremise du Conseil présidentiel de transition, nous avons signé un contrat collectif avec le peuple haïtien pour matérialiser l'accord du 3 avril 2024 qui prévoit un ensemble de grands chantiers. La sécurité publique et nationale, le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire, la conférence nationale et la question constitutionnelle, l'état de droit et la justice, ainsi que les élections pour le renouvellement du personnel politique. Ce paradigme du changement irriguera toutes les artères de l'action gouvernementale. Il inspirera et illustrera notre posture et tous les actes que nous serons appelés à poser à la tête du gouvernement. Je vous demande donc, mesdames, messieurs les ministres, de participer vaillamment à cet effort commun pour promouvoir et alimenter cette culture du changement dans les sphères d'activité relevant de vos compétences respectives. Oui, notre pèlerinage collectif commence nécessairement par un retour au climat sécuritaire. Sans sécurité, aucun progrès durable ne peut être accompli. Pour ce faire, il est crucial que nos policiers et nos soldats soient bien préparés pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Et nous veillerons à ce qu'ils disposent d'outils nécessaires pour accomplir leur mission avec efficacité et professionnalisme. À ce propos, en ce jour de la célébration du 29e anniversaire de la police nationale, je demanderai à l'assistance de te mettre debout pour observer une minute de silence en l'honneur des 3 policiers lâchement assassinés dimanche dernier et aussi à toutes les victimes de la violence des dernières années. Je disais donc la sécurité d'abord, mais nos ambitions ne peuvent s'arrêter là. Pour assurer la pérennité de nos démarches en vue de sécuriser notre nation, nos institutions étatiques doivent être assainies et renforcées. Nous entreprenons donc les réformes transitionnelles nécessaires pour garantir leur efficacité et leur intégrité. La lutte contre la corruption sera une priorité absolue de mon gouvernement. Nous devons rétablir la confiance du peuple haïtien dans ses dirigeants et ses institutions. Cela implique une transparence totale dans la gestion des affaires publiques et une tolérance zéro envers la corruption. Nous instaurons des mécanismes de transparence et de responsabilité dans toutes les sphères de l'administration publique. Des audits régulières seront réalisés pour garantir la bonne gestion des ressources publiques. Nous devons faire en sorte que chaque gourde dépensée, qu'il le soit de manière judicieuse et au bénéfice de la population. Parallèlement, nous favoriserons le dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes de la société haïtienne. Nous devons travailler ensemble, écouter les préoccupations de chacun et trouver des solutions communes pour notre avenir. Nous lancerons des initiatives pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir la paix. Il est essentiel de restaurer la confiance et la solidarité entre les citoyens pour construire une nation unie et résiliente. Ce dialogue et cette concertation débouchera obligatoirement sur la mise en place d'un conseil électoral provisoire comme élément essentiel pour garantir des élections libres, transparentes et inclusives. Ce sont des pas cruciaux vers la restauration de notre démocratie. Nous veillerons à ce que ce conseil soit composé de personnalités intègres, crédibles, compétentes et non partisanes, capables d'organiser des élections qui reflètent véritablement la volonté du peuple haïtien. Les élections à venir doivent marquer un nouveau départ pour notre pays. Au grand chantier sécuritaire et politique,
devra certainement s'ajouter la relance de notre économie. Elle est indispensable pour offrir à notre peuple les opportunités qu'il mérite. Nous mettrons en place des politiques économiques visant à créer des emplois, attirer des investissements et soutenir les petites et moyennes entreprises. Nous devons revitaliser notre économie en exploitant nos ressources locales et en stimulant l'innovation et l'entrepreneuriat. Une économie robuste est le fondement d'une société stable et prospère. Chaque citoyen doit avoir accès aux services essentiels pour mener une vie digne et productive. Nous nous engageons à mettre en place des balises pour améliorer l'offre de services de base tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. L'éducation est la clé de notre avenir et nous devons investir dans notre système éducatif pour préparer nos enfants à un avenir meilleur. De même, un système de santé solide est essentiel pour le bien-être de la population. Nous devons y travailler urgemment et sans relâche. Le système sanitaire haïtien ne peut pas rester l'otage de la conjoncture. Près de la moitié de la population, soit environ 5 millions d'habitants, est en situation d'insécurité alimentaire. Les enfants et les femmes étant les plus touchés. Combattre l'insécurité alimentaire est aussi une priorité pour mon gouvernement. Personne ne devrait souffrir de la faim dans notre pays. Nous travaillerons à améliorer la production agricole locale et à mettre en place des programmes de soutien pour les plus vulnérables. Ces programmes incluant la distribution de denrées alimentaires et l'éducation sur les pratiques nutritionnelles saines. Distingués invités, les attentes de la population sont énormes et elle ne peut plus attendre. Le gouvernement doit immédiatement passer à l'action dans la poursuite accélérée des objectifs identifiés et ciblés. Chacun de nous mesure déjà la haute portée patriotique de la mission à lui confier et l'ampleur de la besoin à abattre. Évidemment, l'accompagnement de la communauté internationale sera essentiel. Cependant, cette coopération doit être basée sur le respect mutuel et l'intérêt commun. Nous devons définir ensemble les modalités d'un soutien efficace qui respecte notre souveraineté et nos priorités nationales. Comme l'a si bien dit Jean Jaurès, l'esprit de solidarité est une force plus puissante que les armes. C'est cet esprit de solidarité internationale qui nous permettra de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés et de construire un avenir meilleur pour notre nation. Le dernier mot de mon allocution sera une note d'espoir à l'adresse de la nation haïtienne qui soupire depuis trop longtemps dans les ténèbres de l'ignorance et de la pauvreté. N'appelons des peuples haïtiens pour ne pas perdre la foi, l'avenir. Parce que les pifes noirs, c'est jour pour l'ouvrir. Pour soleil la vie, nous et bada. M'abdis-nous, ça a fausse conviction. Nous, c'est un peuple qui fait l'histoire, le monde changer. Nous, c'est pas un gros peuple sous la terre. C'est petit, mais nous pas petit. Depuis, peuple a qui est défié à Télibou, depuis que nous avons force à dignité, depuis nous avons à la tête, nous, leader qui a une vision et qui jump, n'a pas arrivé loin. Pour moi-même, moi bah nous garantis que moi paré pour me goumer. Pays a tout paré pour me goumer. Pays a tout moi pour me courir conseil présidentiel là, le travail l'a fait pour tout haïtien qui vive à cœur posé dans un pays qui uni, qui gagne sécurité, côté nous tout ensemble pour te coller pour établir nation. Je lui demande de garder la foi en l'avenir, quand la nuit la plus longue et la plus noire n'empêche pas le soleil de se lever. Je lui redis avec force et conviction, pour l'avoir vu partout à travers le monde, d'avoir un grand territoire ou une grande population, ce qu'il faut pour être un grand peuple, c'est la grande conviction et le grand engagement. Il suffit
à notre peuple d'être habilité par les valeurs qui doit être conduit par un chef avisé et dynamique qui sache lui poser de grandes ambitions. Pour ma part, je veux lui garantir de ma ferme détermination et de ma totale disponibilité à m'acquitter de ma tâche pour son plus grand bien et d'appuyer sans faille le Conseil présidentiel de transition dans sa quête de bien-être collectif et dans sa grandiose entreprise de fondation nationale. Frères, sœurs, haïtiens tout partout sous la terre, moi je voulais couper bien bas pour nous remercier pour confiance nous placer dans moi. Dans un moment difficile, ça, côté l'espoir, tu veux faire. Nous avons une mission pour changer ça avec le peuple. Femme, jeunesse, là, diaspora, tout haïtien à la one badé, tout côté sous la terre. Nous allons faire ça capable pour faire lumière, vie nous pour faire l'espoir de journée. Moi, je voulais prêter parole pour être René Philoctète, qui t'a expliqué toute raison qui fait l'y attacher à Haïti, pour m'ajouter que c'est parce que l'inspire l'amour et lui fait croire que pas grand rien qui est impossible, là nous mettons tête nous ensemble. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre Gary Conille, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement, Monsieur le Premier ministre du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs des organisations internationales, Madame la représentante spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Messieurs du Haut État-Major des Forces armées d'Haïti, Monsieur le Directeur général de la Police nationale, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs, j'éprouve un réel plaisir à procéder ce matin, au nom du Conseil présidentiel de transition, à l'installation à l'investiture du gouvernement dirigé par le Premier ministre Gary Conille, conformément à l'accord du 3 avril 2024. La mission de ce gouvernement est de travailler conjointement avec le Conseil présidentiel à juguler pleinement la crise multidimensionnelle, c'est-à-dire la crise politique, sécuritaire, humanitaire, qui s'est aggravée depuis l'assassinat du président de la République le 7 juillet 2021. Monsieur le Premier ministre, il revient à votre gouvernement de rétablir la sécurité, relancer les activités économiques et sociales dans ce pays ravagé par la violence des gangs armés, réveiller les consciences et mobiliser toutes les énergies afin d'ouvrir la voie à l'organisation d'élections libres, démocratiques, crédibles, transparentes, dont les résultats sont acceptés par tous et toutes. Pour y arriver, vous mettrez en application la feuille de route de la transition prévue par l'article 45 de l'accord du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée. Qu'il me soit permis de mettre l'accent sur les trois points suivants de ce tableau de bord appelé à guider les actions du gouvernement pendant la période de la transition. Il s'agit de la réforme et le renforcement des forces nationales de sécurité, la préparation de la conférence nationale, le renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité. La réforme et le renforcement des institutions nationales de sécurité sont indispensables à la survie de notre nation. Il vous faudra définir une stratégie de sécurité nationale qui passera par les objectifs à atteindre, les moyens à mettre en œuvre et les ressources à mobiliser par l'État pour assurer la sécurité du territoire, protéger la population haïtienne et ses intérêts vitaux. La police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti ont pu tenir en respect les gangs armés, freiner leur avancée et les empêcher ainsi
de prendre contrôle de la capitale. Je salue, au nom du Conseil présidentiel, le déploiement des forces armées d'Haïti dans les aires protégées de l'aéroport international Toussaint-Louverture. De même, les agents de l'unité de sécurité générale du Palais national ont assuré avec vaillance la protection du périmètre rapproché du Palais national. Il importe de reconnaître l'impact très positif de la création et du déploiement de l'unité tactique anti-gang UTAG sur l'arrogance des gangs armés dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Sans vous demander de vous lever, je me courbe et je vous invite tous à observer une minute de profonde réflexion en mémoire des agents de l'UTAG assassinés ce dimanche à Solino au bas de Delma. Fermetus Emelin, Piton Wilkins Jr., Clovis Peterson. Merci. Les résultats concrets obtenus par les forces de sécurité nationale, engagées de manière déterminée contre l'emprise des gangs armés sur la population, en dépit de la faiblesse des moyens dont elles disposent, sont aussi liés aux manifestations de solidarité, de soutien, de partenaires amis de la communauté internationale, envers qui le Conseil présidentiel de transition, par mon organe, témoigne ici sa reconnaissance. Monsieur le Premier ministre, la tenue de la conférence nationale sera l'occasion pour les forces vives de la nation d'analyser les racines historiques de la crise haïtienne, les défis socio-économiques auxquels la nation est confrontée, la méfiance qui la divise et la possibilité d'arriver à un compromis sur un pacte à long terme de gouvernabilité. Quant au renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité, ces fléaux qui exacerbent les inégalités sociales et réduisent les opportunités d'emploi dans le pays, il devra être mené avec courage et détermination de manière à garantir aux générations futures que demain sera un autre pays. Votre expérience, notamment à l'international, Monsieur le Premier ministre, est un gage de réussite dans ce domaine pour le plus grand bien de la patrie commune. Mesdames, Messieurs les ministres, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement ont une mission délicate et historique à accomplir. Nous devons réussir pour faire renaître l'espoir en l'avenir du pays. Nous devons nous mettre à la hauteur de cette difficile tâche pour combler les attentes d'une population qui a tant souffert dans sa chair, dans ses biens, dans son esprit et dans sa dignité. La population attend des résultats tangibles et elle nous demandera des comptes. Je salue et je remercie l'ancien Premier ministre Boisvert et les membres du gouvernement sortant pour leur collaboration durant la période intérimaire. Monsieur le Premier ministre Konyi, Mesdames, Messieurs les ministres, en acceptant d'être membre du gouvernement de transition, vous avez mesuré la portée des engagements pris et les conséquences qui en découlent. Vous êtes donc liés aux obligations de résultat du moment. Sachez que vous êtes régi par le principe de solidarité gouvernementale. Ainsi, la cohésion, la transparence, votre capacité de travailler en équipe guideront-elles vos actions et vous permettront d'atteindre les objectifs fixés dans la feuille de route. Mettez-vous au travail. Mettons-nous au travail. On travaille ensemble. On met main pour avancer la tête ensemble. Cultivez chaque jour dans votre travail le sens du devoir patriotique, le service public, afin d'adresser tous les défis qui vous attendent. Bon travail et du succès à vous, Monsieur le Premier ministre, et à toute l'équipe gouvernementale. Merci en pile. Voilà, ou tap suivre et on dit cérémonie d'investiture côté que Premier ministre Gary Koni qui t'a fait discours, qui t'a fait pile promesse. Monsieur Mayé, question insécurité. Et certainement, quel que soit le monde qui a monté là, si insécurité n'est pas
entrer dans feuille de route ou pas même besoin paraître là. On garantit ou. Almen al font micro trottoir dans la rue à boue. Almen on ti enquête. Mande population qui ça nous voulait. Qui ça qui va nous plus problème? On dit oui. Insécurité a. Parce que pas oublier c'est qu'on peuple qui trop exigeant toujours dit ou ça. Peuple a juste besoin pour bali le peu et puis lui même n'a créé reste là. Ouais, ou dit c'est bail peuple à manger etc. cetera. Li pa même mande manger. Peuple arrive dans une situation pas même mande manger. Li sou bal sécurité, l'a créé moyen pour jeune manger a. Et c'est ça que fait moi même moi encourager gouvernement ça. Ministre de la justice, ministre défense, ministre intérieur. Qui est ce quoi? C'est pour nous arranger nous. Mettez cohésion en mitan nous. Parce que aujourd'hui, la division ne peut mener nous aucun côté. Et moi, je n'ai pas de division qui est là. Il y a des gens à quoi Montana qui commencent à plaindre. Pas bien, me dit où? Il y a des mauvais perdants. Il y en aura toujours. Il y a toujours des mauvais perdants. Il y a toujours des gens qui estiment lui-même. Il est mal perdu. Il y a toujours estimé eux-mêmes. Comme si dans telle place, c'est eux-mêmes qui sont là. Il y a toujours ça. Moun a quoi moun dana? Moun ou te ka bay comme si des bénéfices ou te ka mette moun sa ou ti ah ouais, moun sa yo, yo te ka dirige pays ya. Mais ça m'y en donne, oui. De moun ki te ka lak, te ka dirige pays ya. Je dis là, c'est moun sa yo ka pleye, ka kriye pour poste. Et c'est là pour comprendre, problème nous en pile. Situation nous grave, et ceci li archi grave. Qui te nous dit ou la police, bon kote pal, li a fêté également, donc c'est pas seulement installation te gen, mais te gen également, ou bien gagné également, et anniversaire institution ça, malgré tout problème nous gen ensemble avec li, mais si nous pas de gen la police, comment ça tapie? Oui, moi m'a avec ou nous gen des griefs, et nous gen de mauvaises expériences, nous gen de mauvais souvenirs de la police, mais si yo pas là, est-ce que ça pas ta pire? Notamment, 29 février, Le association criminelle Green Sal yo mette tête yo ensemble. Yo di yo pral craser pays ya. Si la police pat la, malgré niveau résultat ta souhaité al parler nous, mais on entend nous, si la police pat la, je di yo la pa tap bien Haïti. Haïti nous on était fini. Donc faut que nous voyons fier chandelle pour yo, nos valeureux policiers, yo bataille en pile. OK, ils ont beaucoup lutté, bataillé pour que je di yo la nous gen Haïti, nous gen là. Malgré toute difficulté yo, mais si yo pas là, ça te capirait. Donc les acteurs n'a dit bonne fête avec la police. Donc tout policier, des valeureux policiers, des vaillants policiers qui pas jamais peur et qui en dépit de tout mettez vie en péril, mettez vie famille en péril pour capable servir nation. Et certainement, yo va capable organiser festivité parce que cérémonie d'installation, t'as besoin, nous t'a dit on escorte de sécurité, t'as besoin des périmètres de sécurité, t'as besoin des cordons de sécurité et effectivement nous déjà pas en pile pendant la police a fêté un côté et puis pour installation a fait, nous tout nous comprenons mesdames messieurs, eh ben cérémonie on dit festivité ont été reporté parce que installation conseil présidentiel là ou encore installation nouveau gouvernement était de gain préséance. Donc encore une fois, bonne fête à la police et bonne fête à tout le monde et n'a souhaité succès également à Andy gouvernement ça, ce nouveau gouvernement qui lui-même saute prêté serment, qui prend engagement pour diriger pays a moun sa yo yo pral gen à peu près 2 ans devant yo là pour poser des actions. M'a pas d'accord aucun nan yo après temps yo qui pral dit bon Ariel t'est passé là li pas fanyen nous même dans petit castan nous pas gen fanyen pas vinn bomb ça là. OK, oui pays a crasé. Oui, nous venons dans un pays qui crase, pas de problème. Mais nous-mêmes, dans le moment nous là, posez une action. Montrez-nous qu'à faire un bagaille. M'a pas d'accord qu'il n'en nous, comme si nous pouvions lamenter sous son pays, j'en pays à oui, nous voulons craser déjà. Nous, une situation difficile déjà. Nous connaissons déjà, assiette fiscale, nous n'en qui niveau lié. Nous tout connaissons ça, yo. Nous connaissons tout ça, yo, déjà. Ou tirer tout plein, yo. En nous mettez nous au chantier. Mais nous mettez nous au travail. Mettez en chantier parce que n'a besoin de ça, n'a besoin de travail. En cap là, mesdames messieurs, m'étais content ensemble avec vous. M'étais content partager avec vous et on dit actualité a et information qui a brassé bien l'actualité a même si
installation conseil présidentiel, on dit plutôt installation nouveau gouvernement, il te gen préséance et c'est pour ça nous te prétend nous plutôt pour nous faire vivre, pour nous faire enjoy comment ça t'ayé mesdames messieurs dans villa d'accueil mercredi 12 juin 2024 là côté nouveau gouvernement ça li prend fonction officiellement. Donc jodi an la pays a gon l'autre gouvernement n'a pas de résultat yo. OK, des moun qui baille deadline 100 jours, des moun qui baille 100, des moun qui baille anti 90 jours pour commencer ouais résultat. Nous même nous pas baille jour, nous n'a pas. Nous pas baille quantité jour, nous pas baille barème. N'a pas suivre comment ça à pied et nous dit ou déjà nous pas baille Gary Konyi avec gouvernement ça chèque en blanc. Moun ça pas gagne 4 verres pour faire ça yo vle nous. N'a pas suivre. Là yo mandé rasso, n'a baille rasso, mais n'a pas quitté yo travail. Pour nous capables exactement qui ça peut passer parce que moi était quoi gouvernement ça ce nouveau gouvernement mesdames messieurs l'a annoncé espoir que nous toutes n'attendons pour diaspora suspendre rester côté là pour entrer la caille le leader dit le vrai et ben il y a diaspora là me connaît si on était capable chaque week-end on tape dans pays oui dans ce week-end yo jour vendredi on fin travail piquer Haïti et puis dimanche après-midi on retourner encore oui je t'a fait presque chaque week-end. Mais le pays n'a pas permis, si la situation est là, il n'a pas permis de faire. Mais automatiquement, nous vivons une stabilité. Nous garantissons que grand pile monde qui prend plaisir, vini dans le pays, comme bon leur semble. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs, pas déplacés. Merci pour le like, merci pour le commentaire, merci pour le partage, merci parce que vous avancez ensemble avec nous. Merci pour abonner, parce que si toutefois vous n'avez pas activé la cloche de notification, je dis là, madame, tout le monde qui suivre. Restez connectés ensemble avec nous et commencez, ou continuez à faire plus de monde. Faire connaissance avec Chanel là. Et avec ça, mesdames, messieurs, nous sommes capables d'avancer. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. Nous croiser prochainement pour une autre vidéo.